Salut à toutes les joueuses, salut à tous les joueurs, bienvenue dans la Trick Track TV. Vous le savez, au moment de la ruée vers l'or, on a assisté à des poussées de vils champignons qui pouvaient apparaître en une seule nuit tellement la fièvre de l'or avait emporté les cow-boys. Et bien ici, dans Montana, on va faire pousser du campement le plus vite possible. Mais c'est pas sûr que les plus rapides l'emportent vu que Benoît de la boîte de jeu nous a expliqué ça et il va falloir gérer de la ressource et de la monnaie, c'est ça? Exactement. Ok, un petit cycle de production qui sera avec nous, avec Mathieu. Salutations Mathieu. Yeah. Oui, merci. Ouais. Eh ben, je suis content que tu l'aies fait parce que ça fait deux fois que je me retire en me disant « Non, arrête, à chaque fois qu'il y a du cowboy, il me dit « Yeah !» Alors, Montana, ça arrive au mois de mai 2018. C'est une localisation, ça vient de White Goblin Games, mais c'est chez la boîte de jeu pour la version française. Qui a même d'ailleurs été retravaillé, puisqu'on retrouve avec Clemens Franz à l'origine Anthony Wolf, que vous avez fait travailler sur les plateaux individuels et la couverture. Un jeu de Rudy Gordorn de 2 à 4 joueurs à partir de 14 ans, mais on peut y jouer un petit peu moins, et 45 minutes avec de la vache dedans. Ça coûte 42 euros. C'est ça. Et là, on a tout dit, on sait y jouer. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas. Hop, une petite pause et l'explication. Nous, en attendant, tu m'as donné le jeton premier joueur. Le tic-tac-tic-tac du premier joueur. Ok, let's go, c'est parti. Et puis, ben, je t'ai demandé, et puis a priori, ça paraissait pas si con que ça, même si c'est un petit peu rapide, donc je vais y aller et je vais jouer. Mmh. Tu m'as dit que je jouais vert. Hein. Donc là, le fait que tu ailles au marché, tu gagnes une citrouille voilà, déjà. Je gagne une citrouille, là. Pouf. Et puis, je vais aller là. Vas-y. Mmh. Si tu te mets là, nous, on peut pas faire le marché. Je sais, on a pas de citrouille. Vous pouvez pas le faire le marché. Mais du coup, ça me permet de faire... Ah oui, c'est vrai. Oui. C'est lui qui peut. Donc, moi, je peux rien faire. Ah, mais non, t'as raison, c'est crétin. Ah merde, en fait, je viens de te le donner là, le truc. Alors, question technique, la vache, on peut l'utiliser à quel moment là-dessus? À tout moment à ton du tour. C'est à ton tour. Donc là, je pourrais aller chercher une citrouille. C'est pas ton tour, c'est son tour à lui. Ah ouais, d'accord. Donc, moi, je pourrais. Vraiment. Toi, tu pourrais. J'ai pas le droit de bouger pour le plaisir de bouger. Non, il fallait que je te. Tu peux plus, t'as déjà fait. T'es dans cette action. Oui. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a que au moment où quelqu'un vient s'enchérir que tu pars. Tu peux pas dire oh bah non, alors attends, donc, je viens Guillaume, prendre. Encore une fois, je te remercie pas. Voilà. Moi, je ne peux rien faire. Moi, j'aime bien jouer avec Guillaume. Je vais économiser mes ressources. Mais là, tu lui donnes deux pièces et un. Bah, je regrette effectivement d'avoir fait. Vas-y. Allez, regarde, je suis fair play. Je te laisse aller là, si tu veux. Oui, parce que là, du coup, il n'y a bien que moi qui peux le faire. Tout à fait. Même si je ne peux pas poser mes deux actions. Pour le coup, c'est une action où tu nous bloques alors qu'on pourrait y passer. Donc, c'est mieux comme ça. Ok, merci Benoît. Donc, du coup, rien. Je paye ma... Voilà, je prends deux pièces et je vais faire monter un petit minerai en grand minerai. Voilà. Voilà. Et puis, c'était la fin de mon action. Boum, ça dégage. Et c'est à Benoît. Alors, moi, j'ai quoi comme bonhomme? J'ai ça. Vous avez tout, hein, l'ordre du tour. Enfin, les trois actions possibles sont ici. Et puis ça, c'est la petite action bonus. Voilà. Si vous avez suivi l'explication, normalement, vous savez déjà tout. Et on a couché les personnages, puisque ça vous permet de les voir un petit peu mieux. Ok, moi, je vais faire ça. J'hésite même. Non, je vais faire ça, tiens. Donc, trois campements, c'est une course. Je vais aller là, et je vais prendre 10 pièces. Ouais, la banque, tu n'es pas obligé d'y aller souvent. Quand tu récupères du 10 ou du 12, c'est bien. Bah, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Je sais bien, oui. Moi, je vais utiliser mes deux petits meeples. Ouais. J'ai combien? J'ai 5, là. Oui, toi, tu commences à 5, puisqu'on a tout. Toi, tu étais à 3, 4, 5. Oui, premier, deuxième, troisième. Je vais aller là et là et dépenser 4. Et tu te fais... Non, ça fait 3. 3, c'est bon. Ah, oui, pardon, et ça te fait, par contre, 4 citrouilles. 4 citrouilles, s'il vous plaît. Ouais, ça récolte. C'est à toi. Il faut bien nourrir les familles. Hein. Ben, tu as raison. Tu as raison. Donc, en l'occurrence, c'est là où je commence à surveiller. Ah, mais non. Ah, alors, les ressources sont en nombre limité en fonction du nombre de joueurs. Donc, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Non, c'est plus... Enfin, tant qu'elles ne reviennent pas. Oui. C'est pas qu'il n'y en a plus. C'est que quand tu dois prendre une ressource et qu'elle n'y est pas, tous les joueurs doivent remettre une de ces ressources, même toi y compris, et puis tu te sers. Ah oui. Mais bon, ça arrive rarement. Très, très rarement, honnêtement. C'est vraiment pour éviter qu'un joueur thésaurise tout. Donc là, pour le coup, c'est encore pas risqué, en vrai. Si c'est ce que tu penses. En vrai, c'est encore pas risqué. Écoute. Moi, je te regarde jouer. C'est à moi. Tiens, tu peux me donner 5 pièces contre ça, parce que je vais les... Pif, paf, pouf. Éventuellement, ça fait ça. Moi, je m'en fiche. Ah, tu vas aller chercher les... Éventuellement, ça fait ça. Et moi, je m'en fiche. OK. Donc, je vais aller au marché et je vais faire ça. Alors, tu prends une citrouille supplémentaire. Voilà. Attends. Je vais laisser Benoît. Tu viens de dépenser deux actions pour faire deux fois la même chose. C'est ça. Tu dis que c'est peut-être pas optimisé? On verra. Ça
ça a failli franchir tes lèvres quand même. Ok, vas-y. Attends, c'est à toi. Mais j'ai qu'une citrouille. Je peux alors déjà, tu oui. es vert. Ah oui, je suis vert, pardon. Oui, parce mais lui, il peut y aller, lui. Moi, je peux y aller. J'attendais. Alors, sachant que si je vais là, tu ne pourras pas aller le chercher. Si. Non, t'as que deux citrouilles. Non, trois. C'est mon tour. Mais ça va te coûter très cher. Bah, tiens, c'est vrai. Je vais mettre... Alors, attends, je gagne qu'une pièce et un truc. Sinon, tu te mets là, carrément. Je réfléchis à ce que je veux faire. Là, oui. Ça, ça serait vache. Ça Salut. Juste devant, à trois citrouilles. Oui, non, parce mais que t'en as cinq. Ça, ça oui, serait si vache. Je vais être sûr de le faire. Là, pour mais le ça coup, me coûte beaucoup plus cher. Alors, je préfère te faire dépenser toutes tes citrouilles et au pire, aller chercher un truc qui me coûte pareil. Donc, ah, celui-là, il revient là et tu peux te replacer. D'accord. Donc, moi, j'ai passé. Ça me coûte des citrouilles après. Benoît, il va chercher les 5 citrouilles pour aller chercher des vaches et des doubles maisons. Mais du coup, tu vas payer 2 pour en transformer qu'un. Parce que tu peux faire 2 transformations, mais tu n'en as qu'un. Ah mince. Ah, cette optimisation là, tu à la bombe. Enfin, tu peux toujours transformer ça. Oui, tu as raison. Ah ben oui, très bien, très bien, très bien. Okay. Heureusement qu'on ne joue pas c'est bon. On règle la nord-coréenne. Je suis sympa parce que ça fait 2 fois. Allez, c'est bien, on voit les astuces. Ça mais me tu vois tout le réflexion. Donc tu payes 2 et après tu transformes. C'est vraiment un jeu de gestion. Donc je vais en transformer un et puis une deuxième. Tu veux quoi? Je te donne des grands. Deux marrons. Marrons, ouais, deux minerais. Ok. Deux argiles. Paf, paf. Moi je vais donc dépenser 2. Ouais, et tu récupères aussi. 2 pièces. Et je vais récupérer 2 pièces et je vais transformer un caillou en grand. Un grand caillou? Oui, un grand caillou, s'il te plaît. Je suis comme ça, moi je fais des cailloux. Mmh. Donc là c'est à Benoît et je remets mon petit bonhomme ici. Moi je vais faire ça. Tu récupères des bonhommes. Exactement ce que je voulais. Hein, je vais payer un blé. Non, je vais pas payer un blé pour le changer, je vais garder cela. C'est à toi Mathieu. Ouais, Mathieu est réfléchi. Je me prépare. Je ouais. vois. Vous êtes parti, le livre et la tortue, vous connaissez. Qu'est-ce que... T'as beaucoup de bonhommes. C'est-à-dire que si je me place pas maintenant, tu risques d'aller prendre des trucs. Je vais prendre du marron. Je paye 3 pour avoir 2. Ou je paye 6 pour avoir 3. C'est ça. Exactement. Ici, je prends 3 et je veux bien 2 cailloux marrons, s'il vous plaît. 3. T'as payé 3 et 2 cailloux marrons. Ok. Donc je rappelle que les bonhommes ne s'en vont pas tant que toutes les caisses d'une zone n'ont pas été occupées. Ouais. Et je vois bien, je vois bien, c'est là où ça peut être embêtant. Hein, c'est... Où est-ce que tu veux aller? Qu'est-ce que tu veux faire en vrai? Il y a ça aussi potentiellement. Hein. Ça, c'est pour de la pierraille. Il y a toujours le 2 pour 1. Ouais, je m'en fous. Tente ta chance. Allez, Guillaume, c'est ta première. C'est pas grave. Je vais payer 1, puis 2. Je vais payer 1. T'en prends 2. Je vais prendre 3. 2 plus 1. Ah oui, c'est 2 plus 1 celle-ci. Pardon, excuse-moi. Ok. Je vais me mettre là. Et allez, du potiron. Je vais payer 6 et je vais en prendre 5. 5. Purée. Moi, je vais faire tourner la roue. J'en prends. Un noir. Jaune et un noir. Un noir, un jaune. Un blé, blé ouais. Un mineur et un fermier. Voilà, ça évitera tout jeu de mots sur des couleurs inappropriées. Alors, je vais y aller. Donc, je fais une action de campement. Vas-y. Alors, je paye. Tout à fait. Un grand. Tu récupères la vache. Je récupère la tu vache. Tu poses ton mon truc. Campement. Tu récupères la vache et la gourde. La vache et la gourde. La vache ta gourde qui te permettra de rejouer immédiatement un coup, n'importe quand. Après que c'est tout ce que tu fais tout. Et tu n'es pas obligé de la dépenser maintenant. Un grand et ça pour récupérer une deuxième vache, un deuxième campement. Et puis et ça c'est un grand. Ça ne vaut plus un petit. Hein. Un grand non, ne non, vaut plus un grand. Petit. Donc, ça veut dire que là, ça, c'est mort, sauf si je fais ça, et eh ben je vais faire ça. Hop. Bon. C'est pas mal joué. C'est même très bien joué, en fait. Ouais. T'as deux gourdes de machin. Tac. Je l'avais mal regardé. Moi, c'est ce que je voulais faire. Il me manquait un truc pour ça. Ah oui, mais là, du coup, en fait, je me suis coincé mes 3. C'est pas grave. C'est ça, c'est pas super grave. La vache ne remplace que les petits, oui. La vache ne remplace que les petits. Ou les pièces, ou un bonhomme.
1, 2, 3. C'est écrit là, de toute façon. Ça ah oui, c'est marqué là. Et est-ce que ça vaut le coup d'aller en chercher un quatrième? Ouais, mais je vous ouvre des trucs peut-être. Mais j'ai pas eu le temps de calculer vraiment ça. Tu peux plus en poser là. T'en as posé ah oui, c'est 3. Vrai, c'est 3. T'as raison. Bah, c'est très bien. Ça m'évite d'avoir à réfléchir un tour de plus. Ok. Donc c'est à moi. Qu'est-ce que je fais de ces bonhommes-là? Et voilà, ça y est, le silence s'installe autour là, de la table. Ah, c'est... Tout le monde rentre sur l'analyse du tableau. En fait, en agissant sur le plateau, tu as ouvert d'autres possibilités bah oui. auxquelles on n'avait pas accès forcément oui, maintenant. Tout à fait. Donc ça relance la réflexion. Tout à fait. Tu as ouvert des possibilités. Aïe. C'est le Montana du dealer de Trick Track. Il ment, hein. Ils sont en train de se faire de la jambe sous la table. Est-ce que je vais là-dessus? Allez, je vais temporiser. Ok, donc quand ça tombe pile sur la barre, je peux choisir quel côté que je veux. Voilà, tu prends. Il ajoute des règles. Non, c'est une vraie règle. Mais bon, quand même. Hop. Quand même. Alors, quand ça tombe sur des blancs, tu choisis ce que tu veux. C'est donc, c'est vraiment très, très rentable. Je vais réfléchir longuement et en fait, j'hésite parce qu'il me faudrait de la thune. Et en même temps, ça, c'est compliqué. Ouais, je vais aller chercher du blé. Allez, deux blés, s'il vous plaît. Alors, je pourrais mettre ces deux-là pour prendre un autre blé. Est-ce que c'est intéressant Au lieu de prendre de la pierre. Pièce après. Au lieu de prendre de la pierre, ouais. Je vois ce que tu veux faire, toi. Non, je te laisserai pas faire ça. En fait, t'as pas de ressources, hein, donc... toi, tu vas nous laisser plus ou moins faire ce qu'on veut. Voilà. À un moment donné, on sait jamais. Attends. Après, t'as de l'avance, hein. T'as trois coups d'avance sur nous. Oui, il a posé trois campements. Alors, ok. Réfléchis, Guillaume. Une vache, c'est un bonhomme de n'importe quelle couleur. Oui, une vache est un bonhomme de n'importe quelle couleur. Mmh. Donc, si je donne une vache pour avoir un fermier, par exemple, ce fermier, je peux le poser là. Tout à fait. Et je vais payer 3 pour 3. 3 pour 3 blés. Allez. Et on disait que c'est bien. Ok. Ouais. Je vais faire ça. Ah, sa queen, Rudiger Dorn, action indirecte. Il pouvait pas savoir que c'était ce que tu voulais. C'était pas contre toi. C'est pas grave, je suis autrement. C'est bon. Je vais dépenser ma vache et mes deux bonhommes ici pour prendre 12. Enfin, ta vache, tu la mets pas là. Oui, tu la transformes en un bonhomme. Transforme en bonhomme. Parce que c'est très logique, on sait tous qu'une vache. Le mec rentre à la banque avec sa vache. Ah oui, sur gage de la vache, je vous donne 10$, 12$. Ce qui me permet d'embaucher un ouvrier. Tout à fait. Mmh. C'est très, très thématique. Très thématique. Tout est travaillé. Ok. Ah, tiens, c'est vidé. Ah oui, pardon. Tu vois, c'est bien. On t'a bien compris la règle. Maintenant, tu peux perdre. C'est ça. Tu as le mercredi. Eh bien, je vais le faire. C'est demain. Deux blés et un potiron. Je vais me mettre là. Deux blés et un potiron. Et on prend deux pièces. Tiens, c'est marrant. Un blé ça. Et deux potirons. Je vais me mettre là. Ok. Et puis je vais prendre une pièce parce que je ne peux pas faire ma troisième pause. Et là, je suis mais à sec. J'ai donné tout ce que j'avais. Je ne peux oh plus là jouer. Là. Mais t'as offert un tel cadeau là. À... Ah, c'est énorme. Tu vas ouvrir des doubles. Ah ouais, en fait, c'est énorme. Tu vas ouvrir des doubles. Sauf qu'il faut pouvoir les construire. Faut y aller. Oh là là. Et Benoît, il va faire le marché. Ouais, mais c'est super chiant parce que je te l'ouvre à toi en fait. Exactement. Mais ça va te coûter très cher. Non, tu pourrais en faire qu'un. Je pourrais en faire qu'un. Je peux pas faire les. Ouais, moi je pourrais faire les trois là, autres. Ils viennent de discuter de trucs, non, mais... je n'ai même pas Alors, compris. On va expliquer un petit peu. En bas. En fait, ici, c'est des doubles. C'est du sablonneux. Ça, j'avais compris. Comme tu l'as ouvert. Différentes raisons. Un, on doit te bloquer parce que sinon tu vas en faire quatre. Donc ouais. De toute façon, on a intérêt à jouer là. Il faut qu'on joue là. Ouais. En plus, on en pose deux là-dessus. Ouais. On a deux là-dessus, deux là-dessus. Ouais. Tu fais 2, 4, 6. T'en poses 6 d'un coup. Sur une pause. Ouais. Si jamais tu as les bonnes ressources. Mais on n'est pas loin. On n'est pas loin de les avoir. Moi, je pourrais en poser une partie, Benoît, une autre partie. Mais tu nous ouvres quand même fortement des choses.
en dépensant moins de ressources que toi tu n'as dépensé pour poser les tiens. Mais en fait, moi j'ai tout intérêt à attendre que Mathieu le fasse. Bah, bien sûr, parce que tu as plus de ressources que moi. Exactement. Tu as tout bien compris au jeu, Mathieu, toi aussi. Du coup, c'est un peu chiant, c'est que j'en récupère qu'un ici. Je m'en fous, en fait, il suffit que j'en pose 4, puis c'est bon, je me casse. Mais tu les as pas, les ressources, là, t'es à la rue, là. Tu ne les poseras jamais. Moi, j'ai de quoi aller... Laisse-le faire. J'ai de quoi boire. Les fantasmes de la rue vers l'or. C'est ça, exactement. Et je joue, toi, et je joue le barbudo, t'as vu? Tu peux rejouer. Le barbudo. Moi, je vais faire ça. Ouais, bon, c'est pas grave, je l'avais fait. Un point. Un noir, un orange, s'il vous plaît. Okay. Alors, je pourrais dépenser un blé ou deux pour aller chercher ce que je veux. Mm-hmm. Là, j'avais ça. Ouais, c'est tant pis, j'ai mal joué. Alors, ce qu'il faut là, Guillaume, c'est que tu récupères, que tu rejoues et que tu ailles vite pour ne pas être hors course. Ça veut dire jouer ça. Et ça, ça coûte du blé. Donc là, non. Par contre, tu de base, ça coûte pas de blé. Ah, non, pas de base, mais pour si choisir. Tu voulais choisir. Ouais. Donc, tu prends le risque. Tourne, bon, hein, je tourne. Voilà, tu prends ce que tu veux. Ou si en plus t'as de la chance. Tenir, j'ai l'impression qu'aujourd'hui on joue 4 minutes de la chance. Non, arrête. Tu veux quoi? Je vais prendre. Alors attends, calcule-le. Tu peux pas tout prendre. Je vais prendre un fermier et un légumier. Paf. Donc ça, ça fait ça. Tu rejoues ou pas? Ouais. Je bois un truc. Alors attends. Ne te plante pas. Ce qu'il faut que tu fasses pour éviter d'être à la ramasse, c'est ça. Alors, attends. Tu vas le jouer. Tu vas le jouer. Oh, purée, par contre, je ne peux pas m'offrir grand-chose. Hein. Non, tu n'as pas d'or. La banque? Tu peux jouer que deux fois, hein, même si je dépense une autre gourde. Non, tu peux, non, rejouer. Tu peux rejouer. Tant que tu joues tes fois. Gourdes, tu les... Après, c'est bien de les jouer à des moments stratégiques. Oui, c'est-à-dire... Arrêtez non, mais... Objectivement, là, ouais. Tu n'as pas spécialement intérêt à courir pour faire quelque chose. Si, j'ai pas envie. Il me faut la, de la, il me faut de la citrouille. Tu vas chercher la citrouille. C'est pour ça. Mais tu donc peux ça, je peux le faire. Mais après, il faut. Ouais, tu as raison. L'argent. C'est pas grave de ne pas faire un tour de marché. Tu n'es pas sûr que Benoît va le faire là, en fait. Tant que moi, je ne le déclenche pas ou toi, il peut accumuler pour être prêt encore plus. Moi, j'en ai laissé passer deux des tours de marché. C'est pas... Moi, j'en ai laissé passer un. Bon, en même temps, il n'y a que toi qui as des maisons posées. T'en as 5 quand même, hein. Il est déjà à la moitié. Hein. Ouais. Non, ne laisse pas filer le truc. Donc, je vais quand même chercher de la citrouille. Donc une pièce pour deux. Pour deux. C'est tout du gain de petit. Et tu fais autre chose? Non, pardon, c'était là. Et puis, tu peux y aller. Donc, ça veut dire que je peux payer deux. De toute façon, 2, 3 et 6 pour Benoît. Donc là, ça, c'est mort. OK? Donc, soit je vais chercher, mais ça, c'est mort aussi. Ce qui serait le mieux, c'est ça. Ouais, je rejoue quand même. Okay. Et je vais à la mine. Heureusement qu'on lui donne des conseils. Hein. Un pour prendre un minerai. Ah, je te donne un bonhomme, mais c'est un gros action. Tant pis. Au moins... Alors moi, je vais faire une action de marché. Ok, ça c'est bon. Tu veux pas prendre un tour encore. Non, je veux pas. Il m'en manque une action de marché. C'est vraiment nul. Ah, vraiment... J'ai plus un rond. Avec la vache, c'est pas bête. Je pense que c'est la plus intéressante en l'état. C'est fort probable. Je vais faire celle-là. 3. T'as que 2 citrouilles, toi. Deux citrouilles. Oui. Donc, soit je te laisse 2 pièces et une augmentation. Parce que les pièces me sont utiles. Je préfère faire 2 augmentes. Ce calcul d'épicier. Tu joues le rôle de Monsieur Olson, c'est ça? C'est ça. Okay. Alors, c'est à toi, tu peux te mettre si tu veux. On a une vidéo de Benoît dévalant une colline et avec une petite musique. Ah, ça serait bon, ça. Dans une robe, on a prévu. Dans la robe adéquate. Je rentrais pas dans la robe, mais c'est dommage sinon. Donc vous pouvez envoyer vos dons pour le tournage de cette vidéo. La petite boîte dans la prairie. La petite boîte dans la prairie. Dijon. Ça, c'est 3 ressources. Ouais, de ton choix. Mais en fait. Bah, tu donnes 2 pour 3, quoi. Non, on l'éteint. C'est pas forcément inintéressant en fonction de ce que tu as à faire. Ça peut même être très puissant. Où est-ce que les gens sont partis? Les gens sont partis là. Je vais faire les 3. Où est-ce que les gens sont partis? Les gens sont partis ici. C'est-à-dire non, c'est mort. C'est mort. 1, 2, 3. Non, il t'en manque un. Ouais. Casse-toi ailleurs, Guillaume. Mais je vais faire autre chose. Casse-toi ailleurs.
Casse-toi. Eh ben, non, je vais payer qu'un. Ça me semble raisonnable. Et donc là, on dépense et on donc récupère. Moi, je paye 3. Donc là, j'ai une vache. Je peux faire 3 échanges. Je vais échanger 2 marrons et un noir contre un noir et 2 gros. Moi, je veux bien 2 gros marrons. Deux grosses pierres. Merci. Et puis enfin, en l'occurrence, je vais récupérer deux pièces. Ouais. Et puis je vais deux grosses terres en fait. Celle-là, un minerai. C'est du cuivre, je pense. Un minerai contre un gros minerai. C'est toujours mieux. Non, on avait un gros minerai. Je crois que j'ai vu un gros minerai. Oh la honte. C'est la honte de la blague. Si, j'aime bien moi-même. C'est mon niveau, moi ça me va. Mathieu, soit en fait je vais déclencher un achat, mais ce qui laissera de l'espace à Benoît, je suis pas sûr que ce soit très intéressant. T'as lui dit que c'est pas intéressant ce que tu déclenches. Si, ça c'est bien. Moi je vais aller chercher lui, je vais le dépenser ici et dépenser 6. 6 pour prendre 4. 4 citrouilles, punaise, ils sont en train de se placer pour la suite. Les citrouilles sont assez intéressantes. Hein. Ouais, après ça sert moins à construire en fait. Oui, mais je positionne. Je suis un diesel. Je prends un peu de temps à démarrer, mais une fois que c'est parti, c'est parti. Ok, alors je vais aller placer. Chaque fois, je fais du gain petit, ça m'embête, mais tant pis, je vais aller à la banque et je vais prendre 6. Voilà. Donc moi, je vais faire une action de pause. Je vais commencer par poser 2 comme ça pour te couper les pattes, là, ici. Ok. Je les pose par 2, donc ouais. On est sur une double. Ensuite, bah, du coup, je vais dépenser ma vache pour avoir un marron et une de chaque. Ouais. Pour en reposer 2, là. Ouais. Mais comme tu peux voir, je ne peux pas bien optimiser ma troisième pause, donc je vais aller faire autre chose. Je vais juste regarder où je peux jouer et où c'est intéressant. Si je peux jouer déjà, premièrement. Oui. Et où c'est intéressant. On a déjà donc, toi, typiquement, là, cette case-là est intéressante après, ou cette case-là là, pour, bloquer, bah oui, bien pour sûr. Le bloquer. Pour le bloquer. Et pff, ouais, c'est intéressant, je ne sais pas ça. Après, c'est vous qui voyez. Moi, je vous le conseillerais pas plus que ça. Ce qui est chiant, c'est que je crois que j'ai pas de position très intéressante et que j'ai mal regardé. Ah, t'en as quand même posé 4 d'un coup. Hein. Ouais, j'aurais pu en poser 5. Moi, j'en ai posé 5 en 2 fois. Là, Mathieu, je vais prendre une pièce. Bah, voilà. Je vais pas poser. Je vais prendre une petite pièce. Toi, Mathieu, tu poses? Non. Non. Oh là là. 3. 3 minerais. 3 minerais. Ok. Merci bien. Donc, puisque tu as fait ça, je vais chercher à embaucher des ouvriers. C'est parfait, hein, c'est nickel. Je vais prendre un fermier et un légumier, s'il te plaît, Benoît. Un fermier et un légumier. Voilà, merci. C'est à moi. T'en moi aussi. C'est tout simple. Et en même temps, enfin, le mécanisme est c'est super simple. Très facile à prendre. Très fluide. Et mais alors, dis donc, voilà. Pour... C'est à toi, Mathieu. Je comprends du coup ce que tu disais. Moi, je vais faire une action de marché. Hors caméra, sur cet aspect course. L'objectif, c'est de poser ça le plus vite. C'est de l'optimisation. Ouais, ouais. Non, ça ne m'arrange pas de faire une action de marché, en fait. Je préfère que tu la déclenches. Alors déjà, j'en avais 11, moi, déjà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Moi, ça va, j'ai bien 10. Non, non. Moi, alors déjà, on essayait de me truander dès le départ. On m'en donne 11 à la place de 10. C'est parce qu'on savait que c'est une partie handicap pour toi. Je c'est me disais, mais pourquoi j'en ai beaucoup plus que lui? Donc là, c'est à toi, Mathieu, c'est ça? Ouais, je sais, mais en fait... Attends, pourquoi c'est à toi? C'est à moi. Moi, j'ai fait Benoît, ça. Je fais ça. Oui, ah oui, d'accord, ok. Je vais faire ça. Et c'est vrai que chaque fois que tu... Ah, pardon, je vais lancer quand même. Chaque fois que tu prends des ouvriers, tu te dis, ah là là, je perds mon action. Ah, en fait, tu as besoin d'en récupérer. Un fermier et un... Un glaiseux. Un glaiseux. Un argileux. C'est dans d'autres jeux, ça, les glaiseux. C'est ça. Alors... Vu au rythme où vont les choses, j'ai pas d'argent. Je vais payer 6 pour en récupérer 4, s'il vous plaît. 4 petits blés ? 4 petits blés. Oula, excuse-moi. Merci. Dans ma petite réserve à blé, impec. Mais on a, du coup, ça a tout réouvert les, ouais, les blés. Le blé est à nouveau disponible au marché. Donc du coup, si tu as 2 vaches, je peux faire une 3e vache. J'ai une vache. Je te remercie, oui, Mathieu, de me rappeler que j'ai une vache. Ah non, c'est vrai. T'as une vache. Ce qui change tout, absolument tout. La Marguerite. Allez. Cette vache, elle change tout. C'est la vache de ta vie. Toutes les vaches de ma vie. Toutes les vaches de ma vie. Oh non, elle me... Alors, par contre... Ton âme fait retourner, j'ai ri.
C'est terrible. Ah, c'est terrible. On devrait quand même pas la vous me faites de la peine. Vous me faites de la peine, messieurs. Donc, je donne cette vache pour 3 pièces et j'en dépense 3 autres. Oui. Pour aller foutre ces deux. Non, lui, je vais le garder. Je vais aller foutre ces deux-là ici et je vais me prendre 3 marrons. Ouais. Et les marrons s'en vont. Alors. Toutes les vaches de ma vie. Oh mon dieu. Ah, je me suis trompé de bonhomme. C'est dommage. Bah, c'est change. Dommage. T'as changé pour moi. Allez, partir. Vous êtes gentil. C'était celui que je voulais garder. Donc, je prends 8. La banque est de nouveau disponible. Ce qui ne m'arrange pas. Je te remercie. Bah oui, ça ouvre quand même quelques possibilités. Toi aussi, t'es à poil sur l'argent. Vous êtes en train de préparer toutes vos sorties. Là. Si ça se trouve, en 2 tours après, c'est mort et c'est plié. Donc, ça m'embête un petit peu. Enfin, faut que j'en pose 10, moi, quand même. Hein. Benoît, 6 et toi, 5. Si tu veux, on peut discuter de l'intérêt. Ouais, mais toi, en 2 tours, c'est fait. Oui, bien sûr. Il faut avoir l'espace pour ça. Aïe, c'est pas optimisé en fait. Hein. C'est ça, Guillaume, t'as pas optimisé. On considère que ça, c'est bon. Ça, c'est bien. On considère que. C'est un peu chaud, mon garçon. Ça. Ah oh, écoute. Il va me manquer une pièce. Ça me picote. Est-ce que je le fais juste pour ça? On va ça la chercher. Un petit bonhomme 6 pièces. Ouais, je vais le faire. Je pose, je m'en fous. Vas-y. Un grand et un blé, je récupère une vache. Ok. Ok, et puis après, 2 blés, une citrouille, une vache. Mm. Je fais tout en flux tendu, mais bon, c'est pas très grave. Mais de toute façon, le jeu, il est en flux tendu. Bien, il est en flux tendu. Et la troisième, c'est moi, je en fait, pas, qui temporise un peu, parce que allez, j'aimerais que quelqu'un déclenche certaines actions, mais je peux pas. À mon avis, tout le monde peut attendre. Purée, j'en ai plus que 3 à poser. Guillaume, une session de pause et t'es bon. En fait, le problème. Ouais. Le problème, il est là. Bah, c'est galère. Je vais faire des bonhommes. Ok, un bleu. Ok, un bleu. Un noir et un marron, s'il vous plaît. Ok. Donc c'est juste ça. Merci. Il y a juste besoin de ça. Guillaume, à toi. Mais pour ça, il y a besoin de ça aussi. Donc, mais pour ça, il faut faire ça. C'est ça. Donc, je vais poser un petit bonhomme ici. Je vais payer 3. Et je récupère 3 citrouilles en vous libérant les citrouilles. Eh bien, moi, je vais faire une action de pause. Ok. Mes petits amis. Je vais commencer. J'aime pas quand ils disent genre, c'est fini. Ça va faire quand même mal. Bah là, il va faire les 4. Je vais faire ça. On l'a pas bloqué, bah, bien sûr. Ah, ici, putain. Ensuite, je vais faire ça. Du coup, ça, c'était ça. Ok, moi, je suis revenu. Là, j'en mets 2, puisque c'est ma ligne de 4. Ouais, mais il te manque un gris. Quoi, il manque un gris? C'est 2 gris. Oui, ils sont là. Oui, c'est ça. Oui, d'accord. Non, je ne triche jamais. Alors là, ça nous a coûté cher. Et là, c'est je vais payer un grand et un blé. Et il va gagner la gourde. Non, mais en plus, c'est là où je voulais la mettre. La vache et la gourde. Et donc, est-ce que je rejoue tout de suite? Oh, punaise. Donc là, moi, je suis là, prêt. Je n'ai pas posé une seule tuile. C'est ma deuxième partie. T'as compris le jeu? J'essaye autre chose. Déjà, à 1 ce matin, j'ai trouvé que tu n'avais pas bien compris. Par contre, je vais... Il me reste 2 tuiles. T'as que 2 tuiles à poser, punaise, en fait. Mais 2 ça va vite. Mais 2 ça va très vite. Le problème, c'est que j'ai plus de bonhomme, plus rien. Tu vas chercher les trucs pas chers à 2. Ouais. Mais j'ai plus de thunes. Oui, mais ça va vite. Le temps que moi je pose, c'est Guillaume ton concurrent. Moi là, je suis loin de vous. Ah, et lui, il est mieux que moi en fait. Guillaume, t'as dit que ça et ça, c'est. Mais j'ai la gourde. Donc en fait. On sait que t'es un peu. Allez, c'est bon? C'est bon pour moi. Pardon. Moi, je vais faire une action de marché. Ok. Je suis bleu. Donc tu prends une citrouille. Ouais, il en gagne une déjà. De plus. C'est l'action de marché de début. De toute façon, je savais qu'il allait faire ça et j'étais obligé. Off. Je vais aller à toi, est-ce que tu veux te positionner? Oui, bien sûr. Ah, mais non! Ah, c'est dommage. Ah, quoique, si. Ou pas. Non. Ça, c'est encore possible. Oui, parce que tu sais que tu m'as mis cette chanson dans la tête, c'est terrible, je t'en veux. Laquelle? Toutes de ma vie. Toutes les vaches de ma vie. Une des plus belles chansons du répertoire français. Français. Allez. Ok, et ben moi aussi je... Tiens, on aurait dû changer les vaches par des poneys, c'est vachement curieux. Ça aurait été beaucoup mieux. Voilà. Je suis d'accord. Ouais, oui, non, c'était pas mal ce que tu as fait, toi. C'était là où je voulais jouer. Ah bah là, vous, pour poser 2-3 trucs, c'est beaucoup plus rentable. Après, tu peux refaire le marché juste après. Allez, je dis non. Bon, moi, je prends 2 pièces et je fais une augmentation. Ok. Je vais monter ça. Une augmentation en gris. Toi, ça te coûte 2 citrouilles. 2 citrouilles. Et tu prends 3 de ce que tu veux. Alors, je te laisserai me dire. Je vais prendre
Enfin, sauf des citrouilles. Deux argiles. C'est quoi les... Ah oui, de cuivre, de ouais, glaire, ou argile. De cuivre, ouais. Pouf, pouf. Et puis, alors regarde bien. Où tu veux jouer, montre-moi, je vais t'aider. Ah, et puis un minerai, allez, un minerai, on verra bien. Donc, c'est à toi, puisque c'est toi qui avais fait le marché. Oui. C'est à moi de jouer ? Non, maintenant tu viens de jouer. Tu viens de faire le marché. C'est dommage. Je trouve aussi, mais... Alors, attends. Dans ta tête. Réfléchis. Dans ta tête. Il t'en faut 3. Ah oui, non, t'es pas à 3. T'es loin des 3, en fait. Ah, t'es mal barré. Hein. Moi, je te vois là. Je te vois partir dans tes calculs. T'es fini, moi, je trouve. Ok, laisse tomber. Tant pis, je vais embaucher. Je rappelle, tu peux dépenser un blé. Non, jamais, jamais. Un fermier, puis un glaiseux, s'il te plaît. Un cuivreux, pardon. Il a le teint blême. Il a le teint, c'est ça. Moi, j'ai pas de sous, j'ai rien, quoi. Là, c'est vraiment là. Ah oui, mais toi non plus, t'as pas de sous. Non. Tu remarques que je suis hors de sa réflexion. Oui, mais fus méfier de l'homme qui dort. Moi, j'ai des sous, je peux faire des choses. T'as des sous, t'as de la ressource. Moi, en 3 tours, j'ai tout posé, en vérité. Mais en 3 tours, j'ai tout posé. En 2. Tu peux en 2. Je suis en train de le faire stresser. Non, en 2, je peux pas tout poser. Bah, enfin, non, parce qu'il n'y a pas de round 4, regarde. Il n'y en a pas un seul. Ah, il n'y a plus de round 4. C'est pas possible. Ah non, t'as raison. Le noix s'est positionné. Il a coupé le plateau. Il ne serait pas mis là. Oui, tac, tac, ça a changé. Moi, je pouvais, ça changeait beaucoup de choses. Ouais. Parce que 2, 4, 5, 6, 7. Waouh, 7 en un et tour. Et en plus, je récupérais une vache plus un truc, je finissais au tour d'après. Mais il m'a coupé l'herbe sous le pied. Je vais jouer une action de marché. Ah ouais. Pas bon. D'accord. Et tu... Attends. Ok, vas-y. Faut que je compte un peu, parce que là, je me suis dit, allez, à la louche, ça passe. Mais à la louche, c'est rarement bon dans ce jeu. Excusez-moi, je suis long. En plus, il me fait des petits bruits. Généralement, c'est comme ça qu'un coup de part. 2, 3, 1, 2, 3. Non, une action de marché, ça serait mal joué. Je vais faire ça. Non, Germain, t'y vais pas, il va t'envoyer le micro à travers. Voilà, j'ai tombé sur les blancs. Donc, tu prends ce que tu veux. La providence est avec moi. Je vais prendre un marron. Ouais. Bah, il faut savoir que Benoît a toujours besoin de la chance pour gagner. Souvent, c'est ce qui fait la différence. C'est vrai, c'est pour ça que je gagne systématiquement, c'est que la chance. Pas de défaite depuis 1986. Alors. Tu veux qu'on parle de Tolkien? Non. Voilà, à un moment. Il y a des vrais jeux, après. Tolkien est un de ses jeux préférés. C'est mon jeu préféré, c'est pour ça que je peux me permettre de dire. C'est celui qui déchire le plus le cerveau. Alors moi, je vais poser... Je ne comprends pas comment le cerveau peut fonctionner. Je vais poser un grand. Donc, je pose ça. Si vous pouvez, un grand là-bas. Et un grand. Ça te fait tes 4 là-bas. Ouais, ça roule. En troisième action de pause, je vais poser 2, 3, 4, 5. Pour poser... Ici ? Avec la vache. Oui, tout à fait. Alors, là, il vient de se passer quelque chose. Exactement. Ah, il vient un peu de vous ouvrir des choses, c'est intéressant. C'est la victoire là qui s'est jouée, là, c'est dommage. Hein. C'était... Ah, toi, tu me proposes... T'as gagné, Guillaume, en fait, je t'ai ouvert. T'as gagné, non. C'est ma faute. Si, si. Non, j'ai pas gagné. Bah, oui, mais il en a deux. Ah, t'en as trois. Oh, c'est dommage. Trois, il en a. Bah, oui, et moi, j'en ai que deux. C'est dommage. Et donc, toi, tu peux pas gagner, ça joue à une action. Donc, il faut que j'arrive à poser... Mais moi, je peux gagner dans le même tour que lui. En un tour. C'est le 3. Ah, mais il a gagné, Benoît. Il a sa gourde. Oui, mais il ne peut pas rejouer non, pour poser les deux. Il a une gourde mais et une vache, il va venir là. Il faudrait que tu te mettes là si tu veux le bloquer. Non, il n'en a que deux à poser. Mais non, mais... Mais oui, mais il lui faut 4. Il n'en a que 3 des ressources. J'ai que 3 ressources pour l'instant. Il n'a pas encore ce qu'il faut. Mais il lui manque juste une. Oui, il lui manque un tour. Il lui manque un tour. Peut-être. Donc, ça veut dire que moi, si je rejoue une fois, parce que là, il va jouer, donc là, c'est le Mais je me suis trompé sur mes bonhommes autour d'avant. Donc ça fait éventuellement 2. Donc il me faut en gagner un de plus. Sauf que là, il me manque un tour parce que j'ai pas une thune. Donc laisse. Est-ce que tu laisses tomber ou pas? Moi, il me faut plusieurs tours, je pense. Je suis loin derrière. Laisse tomber. Est-ce que tu laisses Non, mais là, il faut qu'on aille faire les trucs. Qui déclenche un marché? Il faut que quelqu'un fasse un marché. Moi, j'attends là, comme un idiot. Surtout pas. Non, t'as intérêt à accumuler pour poser au tour d'après. Mais il peut pas jouer, il a pas de thune. C'est pour ça. Il manque éventuellement un tour de thune. Mais il faut que tu ailles le chercher. Ou alors, j'aurai un train couchette, mais de jour. Alors, attends, 1, 2, 3. Quand les mecs commencent à faire des citations de Chevalier Las Palès au milieu des parties de montagne. Ouais, non, je suis d'accord.
Attends, 1, 2, 3, 4, 5. Ce qui craint, c'est que tu aies la référence. Donc, là, à partir de ce moment-là. Je voulais pas qu'on le note. Alors, ils sont en train de faire des travaux sur c'est ça. Chez Trictrac, le gaz, l'électricité, tout ça. À la ça, rigueur, ça en fait, attaque. Je m'en fous. Mais oui, à la rigueur, voilà. Je m'en fous. 1, 2, 3, 4. J'en pose 2. Pourquoi 2? Parce que c'est un truc à bleu. Ah, mais c'est un double. Bah oui, j'avais gagné. Mais c'est pour ça. Et je prends 2 pièces. Tu avais dit que tu avais gagné. Et je prends 2 pièces parce que je fais qu'une seule pause. Et là, normalement, ça veut dire qu'au tour d'après, il y a ça. Ah purée, 2 tours, c'est peut-être un poil long quand même. À mon avis, j'ai été un peu au-dessus. Tant pis. Ah, mais je suis dégoûté. Mais alors là, mais c'est un niveau intersidéral de ne pas avoir vu que... Oui, parce que là... Ah oui, par contre, si. Il posait un bonhomme en 1, il rejouait et il finissait. Oui, donc il finissait vraiment. Tu avais raison, il finissait mais vraiment. Oui, j'avais fini. Oui, tu finissais. Mais j'avais pas vu que c'était un double, sinon je t'aurais mal conseillé pour gagner. J'ai ouvert là où je n'aurais pas dû. Oh, c'est chaud. Il est là, lui. Il casse bien les pieds, celui-là. J'ai ouvert où je n'aurais pas dû. Je vois pas comment le remonter. Moi, il suffit que j'en pose un, quoi. Allez, allez, juste un. Et en l'occurrence... Il va me falloir ces pièces en fait, c'est ça le problème. Ah non, je peux me débrouiller. En l'occurrence. Ah non, pardon, excusez-moi, c'est vraiment. Non, je prends ça. Ah, j'ai pas de bol, c'est pas du tout ce que je veux. Vas-y, je peux le gagner. Attends. Non, non, c'est beaucoup plus tendu. Moi, il me faut deux actions. Deux actions, j'ai gagné. Bah oui, je suis à deux actions aussi. Ouais, hein. Benoît. Parce qu'avec ce qui me manque. Non, mais c'est que j'ai mal joué en fait. J'aurais pris deux bonhommes de la même couleur, c'était plié. Et là, je l'ai pas fait. Et ça m'embête énormément. Est-ce que non, je ne peux pas rester là-dessus. Il n'y a pas la combinaison que je veux, c'est pas possible. Non, mais moi je suis de la baisse, comme on dit. J'ai mal choisi. Et c'est ma faute, c'est ça le pire, c'est que je peux même pas accuser Mathieu. Ah oui, j'ai une action bonus. Moi en vrai, il me faut 3 tours, donc je suis out. Alors, je vais commencer par jouer là en dépensant ma vache. Ça va m'en donner 3. Ça. Pourquoi t'as... Non, il récupère 2 pièces. Tiens. Non, ça me coûtait 3, j'ai donné une vache c'est 3. Ah oui, d'accord, ok. Une vache pour 3 pièces, j'étais en train de me dire. Oui, t'as posé le bonhomme, mais tu l'as dépensé en plus. Ah oui, c'est vrai, c'est pas un bonhomme. Ok. Et je vais attendre. J'ai trop voulu attendre. Ouais, okay. Bah, t'as gagné au tour d'après avec ta gourde. Il en reste 2 à poser. Non, j'ai pas du tout gagné. Non, il lui faut 6. Mais non, mais parce qu'en fait, il fallait que je prenne un double bonhomme. C'était... Moi, je vais aller là. Je vais aller chercher ça pour 6. Ok. Je veux bien. 4 citrouilles. Merci. C'est que je me suis trompé dans mon choix de bonhomme. J'ai été un peu à la louche, quoi. Et en fait, c'était pas le bon choix. En vrai de vrai. Tiens, c'est ce que tu as promis tout à l'heure. En vrai de vrai. De la vérité. De la vérité, si je mens. Ah, mais non. En fait, bon, en fait tu pourrais faire ça, mais ça, c'est pas plus intéressant. Ah, ça prend la tête, ce jeu. Je suis trop short. Je suis trop short. Ça prend grave la tête. Grave. Bon, allez, c'est une partie de découverte. Ouais, c'est pas de ma faute. Il dit ça parce qu'il est bien passé. Bon, moi, pas vraiment. Au pire, j'en pose 3. Je peux pas faire une ligne de 4. Moi, je suis un peu partout. Il m'en restera 2, donc j'ai un tour de retard. Je suis obligé d'aller chercher une autre source. Mais joue une action de marché, sinon. Non, jamais. Never. Je devrais pas faire ça. Ah bah ça, là, c'est... Ah là, c'est les... Tu veux quoi? Je t'en donne 3 même, si tu veux. Prendre orange. Et puis, orange. Okay. Tu vas faire quoi avec ton petit glaiseux? À toi, Benoît. Ouais, va chercher un caillou. T'en as combien là? J'en ai 5. Moi, je peux pas. Je suis loin. De toute façon, là-dessus. Punaise, il m'en reste qu'une à pause. C'est moi ou je suis roi des cons? Ah, je veux pas me prononcer. Mais je suis vraiment un crétin. C'est pas possible. Bah, ça dépend. Oh, mais je fais n'importe quoi. Ça dépend où tu veux te mettre. Mais il y a peut-être des endroits où. J'ai pris 2 oranges en me disant j'ai 2 tuiles à poser. Bah oui, mais non, Guillaume. Non, t'en as qu'une. Non, j'en ai qu'une. Ah, mais quelle andouille. Mais en fait, tu faisais une action de marché. Ah, si. Non, il t'en manque un. S'il faut que tu poses tes oranges, tu fais en 2 tours. Ouais, c'est ça. Benoît, c'est à toi. Bah ouais, non, c'est mort. Je vais probablement faire une action de marché, mais je réfléchis. Oula, t'es courageux, toi. Attends, si je fais ça, je perds ça. Mercredi. Je gagne ça.
Moi, je suis balancé loin. Oh, putain, il m'en manque une. Non, c'est bon. Je vais faire une action de marché. Ouais. Donc, tu prends un. Je vais me mettre là. Prends ressources. Ok, peu. Moi, je vais venir aussi. Bouffe-le. Attends, il faut que je réfléchisse. Parce que faut que je fasse un petit calcul. Je pense que je suis loin quand même. Mais bouffe-le. Parce que là, ça va me coûter deux ressources. Fais-le cracher ailleurs. C'est chiant. Fais-le cracher ailleurs. Trois. Mais non. Mais de quoi? Qu'est-ce que je viens de là? C'est trop cher. Mais c'est trop cher. J'ai pas intérêt. Moi, je peux pas. Ça me sert à rien. En fait, c'est pareil. S'il me vire, j'ai gagné. S'il me vire pas, j'ai gagné, je crois. Ah ouais? D'accord. J'aime pas quand tu dis ça. Ouais, moi non plus. Tu essaies de me mettre la pression avec ton petit sourire mesquin. Allez. Non, mais je suis sur mes 100% de victoire en trick-track TV aujourd'hui. Vas-y. C'est bon, vous faites rien? Le trick-track. Non, tu veux, le mec. Je donne deux citrouilles et je prends trois marrons. Moi, je donne deux citrouilles et je veux bien un grand et un. Et sinon, je faisais deux et deux grands comme ça. Et du coup, j'utilise ma gourde. Et je vais faire marron blé. Je te les rends quand même. Ici. Bah, et marron blé. Marron blé ici. Ça m'énerve. C'était ceux-là. Il m'en suffisait d'un seul. Bon. Alors, ça me gonfle. Attends, finis le tour. On gagne au nombre de vaches. C'est ça? Mais il faut tout poser. Oui, je sais. Non. Alors. Non, je vais poser. Non. Arrête, Mathieu. Arrête. Je pose deux et deux. Je viens là. Attends. Attends. Je dépose un de chaque avec ma vache. Mais j'aurai plus de pièces. Je viens là. Je vais regarder comment. Grand. Je viens là. Et j'ai plus de sous que toi. Attends, on va vérifier le tiebreaker. Et j'étais loin derrière. Ah, c'est bon. Ah, c'est très très bon. Comment on départage. Donc c'est à toi de jouer, Guillaume. Attends, Guillaume n'a pas. Non, je suis premier joueur. Non, il est, c'est fini. Ah, c'est dommage. Vas-y, ballot. Ah non, pardon, excuse-moi. Ah, vas-y. Me dis pas que c'est au nombre de ressources, j'aurais joué différemment. Non. C'est écrit. J'aurais joué différemment. Non, c'est pas vrai. Je pense que t'as quand même gagné. Mais je vais quand même lire. C'est le joueur avec le plus de vaches. Ensuite, c'est celui qui a le plus de gourdes. Ouais, s'il y a toujours égalité. S'il y a toujours égalité, c'est le joueur parmi les ex-aequo avec le plus grand total de ressources de pièces et d'ouvriers sur son plateau. Pièces et ouvriers. 4. 4. C'est Guillaume, t'as perdu. T'as perdu. Merci Guillaume. Merci. Vous êtes des enfants. Cette course de fin de pas. Alors là, tu l'avais vu, tu le préparais? Bien sûr. Oui. Mais bien sûr. En fait, je pouvais le faire là. Mais tu l'as fait. En fait, moi, je savais que je l'avantageais un peu. Parce que là, en récupérant la vache, oui, je faisais le truc. Le marché, c'est très cher si t'as pas de gourde. Parce que tu ouvres aux autres et tu ne pourras en bénéficier qu'au tour d'après. Ouais. Mais je pouvais le faire là où tu t'es mis, mais tu m'as. J'avais pas compté qu'il finissait, mais je savais qu'en faisant le marché, lui, il pouvait suivre et que ça l'avantageait énormément. 3 et 1, 4. Ouais. Et mais ça se joue à un camp. Ah, Grunt! C'était Montana, non, mesdames Grumph, et messieurs. C'est un autre de nos joueurs. Oui, c'est un de ceux. C'est pas Grumph, c'est Rudiger Dorn qui a fait celui-ci. Petit jeu beaucoup plus vicieux qu'on ne pourrait l'imaginer. Un jeu illustré par Clemens Franz et Anthony Wolf pour la version boîte de jeu. Chez la boîte de jeu, 2 à 4 tourneurs de l'assaut, 14 ans, 45 minutes. C'est un jeu de chez White Goblin Game, distribué par BlackRock, comme ça au moins on a tout dit. Mai 2018. Localisé par la boîte pour la VF, localisé par la boîte de jeu. Mai 2018, 42. Prix public conseillé. 42 euros, prix public conseillé. Vous savez tout, et celle-là, je ne l'ai pas gagnée, mais pas de beaucoup. Ça s'est fait un poil quart de mollet de cheval, ou de vache plutôt. Prêt. Oh, sur une course comme ça, c'est rageant. C'était un plaisir, messieurs. Je suis invaincu à jeu, je tiens à le dire. Sur deux parties. Écoute. Ah, mais moi, le nombre de jeux où j'ai 100% de victoire sur une partie, c'est C'est vrai. Merci à Germain de nous avoir suivis dans ce petit voyage dans cette région. Merci à vous, amis joueurs et amis joueuses, de nous avoir rejoints, que ce soit en live ou que ce soit en différé. On se retrouve sous d'autres cieux avec d'autres boîtes. De la boîte de jeu, d'autres boîtes de jeu aussi d'ailleurs, dans la Trick Track Télé. Merci à Benoît. Merci. Merci à Mathieu. Merci Guillaume. Et on se retrouve avec plaisir pour d'autres aventures. C'est quand les prochains? Ah, là, ça sera probablement. Bah, on viendra pour le Kickstarter de Netatanka. Donc on viendra vous présenter le jeu exactement, probablement en mai. D'accord, mois de mai. Et on aura une autre sortie sur la fin de l'année. Enfin, pour Essen, mais on aura l'occasion d'en discuter. D'accord. Il y a les sorties, il y a eu les livraisons Clash of Rage, etc. Non, ça sera septembre, octobre. Oh, on a encore un petit peu de temps. Bref, on a le temps de jouer. Amusez-vous bien, bonne partie à vous. Ciao, salutations. Salut.